En ce jour de Pâques, nous allons commencer le concert. Madame Gralmenet nous présente un beau concert spirituel de Pâques pour agrémenter cette journée où nous avons déjà eu cette nuit 22 baptêmes d'adultes. Et pour nous réjouir, voici quelques pièces pour nous divertir cet après-midi, en même temps nous élever notre âme vers Dieu. La première pièce de ce concert sera une pièce d'un anonyme, Cortège ensuite de Faubourdon en dialogue, une pièce de la Renaissance espagnole, sur les trompettes de l'orgue et sur les chamades, donc ils font bien entendre tous les jeux d'anches, on appelle. Les chamades, ce sont les tuyaux horizontaux que vous pouvez voir en bas de la partie haute du grand orgue, et qui sont installés à l'horizontale et qui sonnent assez fortes. Ensuite, vous entendrez deux pièces de Jean-Sébastien Bach, hein, l'incontournable, une partita sur en thème et variation, que dois-je faire, moi pécheur, donc du jeune Jean-Sébastien Bach, même si aujourd'hui l'authenticité de cette œuvre est mise en doute. Et puis ensuite, une symphonia en ré majeur sur le thème « Nous te remercions Dieu ». Le modèle original pour cette symphonia est le prélude de la partita pour violon seul, BWV 1006, dont Bach a par la suite réalisé un vaste arrangement pour orgue solo, cordes, trompettes et timbales, que nous connaissons comme la symphonia de la cantate Ratzwald. Ensuite, nous allons avoir comme un certain commentaire de Bach, du moins une interprétation plus contemporaine par Naji Hakim, né en 1957, qui reprend différents thèmes de Jean-Sébastien Bach et s'inspire de ces différents thèmes pour les agencer dans une forme rhapsodique, avec notamment le thème royal de l'offrande musicale, suivi d'un développement fugué sur le Kyrielle 2 de la messe en si mineur, qui apparaît au centre de la pièce comme le point culminant de cet ouvrage. Ensuite, nous aurons encore une pièce d'André Fleury, qui est également contemporain, né il y a tout juste 120 ans, qui est décédé en 95, à la fin du siècle dernier. Trois extraits de six chants de Pâques, donc sur les thèmes liturgiques du jour, une variation sur le Ophilii, et puis ensuite un prélude sur l'introïte de la messe du jour de Pâques, Resurrexit, et une paraphrase sur l'Alléluia de cette même messe. Donc André Fleury fut élève de Louis Vierne, dont vous entendrez pour clore le concert également deux pièces. Cet André Fleury combine adroitement une écriture polyphonique et symphonique. La musique d'André Fleury a évolué de l'école post-romantique de Vierne au langage des premiers novateurs d'avant-guerre, donc il est un peu postérieur, bien sûr, à Louis Vierne. Et donc Louis Vierne, du début du siècle dernier, impromptu d'un extrait des pièces de fantaisie, troisième suite, et un final de la sixième symphonie. Voilà, cet impromptu est une des pièces les plus célèbres, très vive. Et puis le final de la sixième symphonie est l'une des pièces les plus jubilantes, les plus qui respire la joie de Vierne, avec une toccata en tornade ajoutée en forme de rondo. Donc je voulais.
Voilà, nous remercions bien Madame Gralmenet pour ce beau concert. Et puis nous allons avoir les vêpres dans quelques instants, les vêpres solennelles de cette fête de Pâques.